Yo tout le monde, c'est Rosange, j'espère que vous allez tous très très bien les gars. Pour ma part, ça va super bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée sur Call of Duty Advanced Warfare. Donc avant de commencer, je vais introduire le gameplay. Donc j'étais à la Ball 27 Obsidian Steed sur la map Biolab en MME. Donc c'est la première game de la journée ou la deuxième. Donc voilà, et donc aussi si vous voyez que j'ai un nouveau shoot, que j'ai un meilleur shoot, c'est que j'ai des nouveaux joysticks, j'ai une nouvelle manette, enfin j'ai une protection donc des nouveaux joysticks. Donc voilà. Donc cette vidéo est faite pour tous ceux qui vont précommander Call of Duty Black Ops 3. Donc moi je l'ai précommandé et j'ai l'édition Hardened. Donc voilà. Donc l'édition Hardened comprend alors des photos de Call of Duty Black Ops 3, une nouvelle map zombie, le steelbook, donc la boîte en ferraille, et bien évidemment le jeu. Vous avez un autre pack qui s'appelle le pack Gigarlon, donc le pack mastodonte. Donc qu'est-ce que vous avez dedans? Un mini porte-clés du frigo de mastodonte que vous avez dans les zombies de Call of Duty Black Ops. Vous avez les cartes, des photos, des capsules pour le coca ou des bouteilles. Vous avez le season pass, le jeu, le steelbook, et voilà. Et la nouvelle map zombie aussi. Donc la date de la bêta sur PlayStation 4, parce que l'exclusivité maintenant est sur PlayStation. Donc sur PS4, elle sort du 19 août au 23 août. Donc 5 jours, ça c'est suffisant. Et sur Xbox, du 26 au 30 août, donc juste avant de recommencer les cours, histoire de bien se mettre sur Call of Duty Black Ops 3, les gars. Donc moi, ce que je compte vraiment faire, c'est vraiment record tous mes gameplays, être à fond dans le jeu. Comme ça, je vous propose des gameplays de ouf. Comme ça, quand la bêta sera finie, j'aurai encore des gameplays à vous proposer. Donc aussi, j'ai récupéré quelques petites informations sur le site Millennium. Alors, j'ai quelques... Il y a quelques mods qui vont être disponibles durant la bêta. Donc il va y avoir apparemment le retour du mode Uplink, qui va être maintenant considéré comme un mode e-sport, donc compétition. Donc les modes dans cette bêta seront MME, domination, élimination confirmée, démolition, point stratégique, capture de drapeau et R&D. Donc ça on fait 7, MME, domination, élimination confirmée, démolition, point stratégique, capture de drapeau et recherche des troncs, donc ça en fait 7. Donc voilà, donc les trois maps aussi vont être Hunted, Evac et Combine. Donc les maps qu'on a pu voir dans les gameplays des grands youtubeurs comme Skyrose, etc. Donc encore, voilà. Donc qu'est-ce que ça fait un exemple d'avoir la bêta? Donc tout simplement pour vous donner un petit avant-goût du jeu avant de l'acheter. Donc faut savoir que vous pouvez précommander le jeu sans acheter le jeu. Donc là, pour précommander, vous payez pas. Vous payez le jeu que quand il sort. Donc par exemple, vous pouvez précommander le jeu, dire que vous allez l'acheter. Et en fait, vous l'achetez pas juste pour jouer à la bêta, juste pour vous donner un petit avant-goût. Et pour ceux qui savent pas trop quoi faire pour si l'acheter ou soit vous l'achetez pas, j'ai une petite idée pour vous. Alors ce que vous faites, c'est que vous dites que vous avez précommandé Call of Duty Black Ops 3. Donc vous allez avoir l'accès à la bêta comme moi j'ai eu avec un code que vous allez sur le site, etc. Vous activez votre bêta. Si vous aimez le jeu, vous allez le chercher à la date de la sortie. Si vous l'aimez pas, vous y allez pas. Voilà. Ça peut vous donner une petite idée pour avoir pour soit acheter le jeu ou pas. Et voilà, donc cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. N'hésitez pas à lâcher un gros like, les gars. On vise les 15 likes, donc je sais qu'on peut y arriver. Si vous êtes tous actifs, on peut le faire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un commentaire positif, ce qui me ferait super plaisir et ce qui me donnera encore plus envie de continuer mes vidéos. Tout le monde, c'était Rosange, à la prochaine. Tchou tchou, les gars.